Bonjour à tous et bienvenue sur BLA1420. Aujourd'hui, on va voir ensemble 7 astuces pour bien débuter dans le jeu Dragon Ball Z Kakarot. Ce sera pas des astuces d'experts, ce sera vraiment des trucs pour bien commencer, pour bien appréhender le jeu. Il y aura pas de Dragon Ball dans cette vidéo, j'ai fait une vidéo complète dédiée à ce sujet. C'est parti pour le numéro 1, c'est la carte du monde. Pourquoi ? Parce que souvent dans le jeu, on va vous demander d'aller chercher des collectibles, style lapin, poisson, etc. Regardez bien, vous allez sur une région, vous appuyez sur carré, attention je joue sur PlayStation 4, et là, on vous dit tous les collectibles, les matériaux obtenables qu'on peut avoir dans cette région. Ça peut être vraiment très intéressant. Moi, il me fallait du lapin congelé et du poisson géant gras pour avancer dans l'histoire. Attention quand même à une petite chose, bien sûr pour avoir du poisson géant gras suffit de pêcher, c'est pas compliqué, mais maintenant si vous voulez le lapin congelé ou d'autres collectifs bien sûr du style, des fois faut détruire une structure, là c'était un gros glaçon et dans le gros glaçon il y a un lapin congelé. C'est vraiment tout bête mais c'est un peu comme ça que le jeu fonctionne. On passe directement au numéro 2, les camps. Et là c'est vraiment un facteur très important parce que souvent dans le jeu vous allez être blessé comme là mon Son Goku et on se demande un peu mais comment on fait pour se réanimer, pour se remettre de la vie. C'est très simple, il y a des camps qui sont en fait marqués par la fumée. Là on peut vraiment, c'est vraiment très distinctif, on peut bien les distinguer comme on dit. Vous allez vers ces fumées qui sont en fait des camps et là vous pouvez manger ou vous reposer et vous allez comme ça pouvoir récupérer votre ki et votre santé. C'est vraiment très important parce que quand vous êtes un peu dans un monde ouvert qui n'en est pas un, attention, mais quand vous êtes dans ce monde-ci, on va dire, eh ben vous vous battez, votre vie, elle revient pas tant que vous n'allez pas aller à un de ces camps. Donc je vous le conseille, c'est le numéro 2. Numéro 3, on va parler maintenant de la save charge. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de glitch, mais qui se trouve dans tous les jeux vidéo où les collectibles réapparaissent, c'est-à-dire ils vont respawn. Tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va collecter des collectibles. Là, je vais me répéter plusieurs fois, je suis désolé les gars, mais pour que tout le monde comprenne, c'est logique. Vous allez aller dans le système et sauvegarder votre partie, tout simplement. On vient de collecter, hop, on sauvegarde, voilà. Je sauvegarde, j'ai pris un emplacement spécifique pour ça, mais vous allez pouvoir rejouer dessus, vous allez très vite comprendre la petite méta. Donc voilà, j'ai sauvegardé ma partie, c'est bon. Là, maintenant, je vais pouvoir la charger. Je charge la partie que je viens de sauvegarder et même s'il y a un petit message qui dit que vous allez perdre votre progression, non, c'est la partie que vous venez de sauvegarder, il n'y a pas de souci, ok. Vous allez avoir malheureusement le petit menu de chargement, ça je vais couper, je vais pas vous le laisser, et quand vous allez revenir, il y aura à nouveau les collectibles. Là je me suis mis en face d'un coin de pêche pour collecter du crabe divin. Le crabe divin, vous allez voir, ça va être très très important pour le numéro 4 de cette vidéo. Mais voilà, le numéro 3, le save recharge, c'est vraiment le top du top. Sauvegarder, charger, collecter, c'est tout con. Maintenant on va parler d'argent. Grâce au numéro 3, on a réussi à avoir du crabe divin. Mais logiquement vous en avez d'office. Qu'est-ce qu'on fait? On lance un lapin. Le Z, franchement les gars, c'est la folie, il y aura plein de poissons or partout. Le M c'est pas mal, le P c'est un peu moins bien mais c'est pas mal non plus. Moi je lance un M ici pour le gameplay. Regardez bien, il y a directement un poisson or et un poisson qui n'est pas en or. Vous allez très vite comprendre que l'argent se trouve du côté doré. Alors pour l'avoir c'est simple, hein, les gars, regardez bien ici, vous faites comme sur le gameplay et vous allez faire un superbe, c'est hyper facile pour pêcher du poisson. Qu'est-ce qui m'intéresse moi vraiment, c'est la gemme de poisson géant doré. En G, c'est encore le top du top, si je dis pas de conneries, c'est même la meilleure. Et donc c'est du farming, après t'es là, bam, t'éclates un poisson, tu récoltes de la gemme. Tu recommences, t'éclates à nouveau un poisson pour, tu le sais bien, récolter de la gemme. C'est le plus important, c'est la gemme de poisson géant doré en G. C'est le top du top. Pourquoi? Parce que le numéro 4, toujours, excusez-moi les termes, c'est d'aller chez le marchand. J'ai combiné un peu les deux. Ok, le marchand, pourquoi lui? Parce que grâce aux petites écailles qu'on a pu avoir sur notre poisson doré, on va pouvoir lui vendre. Et ça vaut un beau paquet de pognon. Bon, déjà ici, on peut voir qu'on peut vendre tout et n'importe quoi, de la viande, du loup, de l'œuf, on peut tout farmer. Mais ce qui est le plus rentable, on va dire, niveau qualité-prix, comme on dit dans le jargon, c'est bien sûr ces fameuses gemmes de poisson doré. Il y a les G, il y a les P. Les P, c'est 1000 zénis, c'est quand même pas mal. Hein. Quand vous débutez le jeu, 1000 zénis, c'est cool. Mais alors les G à 3000 zénis. Donc là, honnêtement, j'ai eu 7 P et 6 G en même pas 5 à 10 minutes, les gars. Donc ça faisait 25 000 zénis. Donc voilà, ça c'est le top du top pour démarrer son aventure tranquille. A savoir qu'au début, vous avez peut-être 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 zénis. Vous n'avez pas des masses. Avec cet argent, c'est le numéro 5, on va aller acheter des Vitaju. Ça, c'est très important. Parce que c'est vrai que moi, j'ai fait le début de mon aventure sans vraiment me healer, me soigner, à part avec les camps. Et ça va vraiment être un apport en combat très important. C'est les Vitaju. Je vous conseille d'aller en acheter.
chez le marchand, c'est vraiment tout bête, et puis surtout de les équiper sur vous. Ça c'est le plus important, c'est que quand vous les avez achetés, vous appuyez sur Start, vous allez dans Objets et vous allez tomber sur vos Vita Juice, comme vous voulez. Vous les équipez sur vous, c'est très important. On peut les donner à son personnage pour le soigner, mais je vous conseille tout simplement d'appuyer sur carré, je joue sur PlayStation 4, et vous les équipez. Ça, c'est important, ça va vous aider en combat à pouvoir vous régénérer, et ça va vraiment vous aider dans votre campagne. En parlant de celle-ci, c'est-à-dire l'histoire du jeu, c'est vrai qu'il y a deux écoles. Vous pouvez très bien la rusher, mais moi, ce que je vous conseille, honnêtement, c'est d'utiliser la sixième astuce de cette vidéo, c'est-à-dire les quêtes secondaires. Pourquoi ? Parce qu'elles sont très prolifiques en XP, en médaille D, et en plus vous pouvez aussi rallier certains personnages à votre cause, c'est-à-dire dans votre communauté. C'est vraiment le top du top. Moi ce que je vous conseille honnêtement, c'est ok, vous faites un peu d'histoire principale, c'est normal, on a tous envie d'avancer dedans, mais n'oubliez pas les quêtes secondaires, parce que si vous passez à côté, vous n'allez pas avoir assez de médailles D, par exemple, pour aller au camp d'entraînement, vous entraîner et apprendre de nouvelles techniques, et ici ça reste quand même un RPG. C'est-à-dire que pour prendre plaisir à ce Dragon Ball Z, moi ce que je conseille vraiment, c'est de pas trop farmer l'histoire principale. Faites quand même des quêtes secondaires, faites des camps d'entraînement, augmentez vos attaques, vos compétences et votre niveau. Ça va vraiment être très bénéfique. Si vous faites pas ça, c'est pas grave, vous pouvez quand même passer. Mais vous risquez, entre guillemets, de spam un peu le jeu, toujours à utiliser les mêmes attaques. Moi ce que je vous conseille, c'est la diversité. Et pour ça, les quêtes secondaires, c'est vraiment le top. Il y en a plein éparpillés partout dans le jeu. Elles sont en bleu, faites-les. On passe au 7ème, c'est les cadeaux. C'est quelque chose que j'ai pas utilisé au tout début et c'est dans Emblème d'âme. Tout simplement, vous allez ici sur votre personnage, vous appuyez sur triangle. Et là, par exemple, moi je suis fan de Vegeta. Vous pouvez lui donner des cadeaux pour qu'il ait en fait des petits buffs. Maîtrise de tout, hein, les gars, de création, de cuisine, amitié, etc. Ça, faut vraiment regarder parce que vous en recevez très souvent. Je dis pas de tous les utiliser, mais quand, comme moi, vous avez des doubles, j'ai réussi à avoir de l'eau d'éveil grâce à l'invocation de Sharon, ben voilà, je lui donne et honnêtement, ça va augmenter un peu ses statistiques, ça va lui donner un côté buff. On termine sur un petit bonus et là honnêtement les gars, n'hésitez pas à faire des expériences. Moi je vais vous montrer ce que j'ai fait chez moi pour l'instant et je suis quand même très loin d'avoir fini le jeu. C'est quand vous allez avoir tous les personnages que là honnêtement faudra être très précis il me semble. Ici c'est vraiment pour avoir de l'XP. Si vous mettez des personnages par exemple tout comme moi je savais pas trop les placer, vous les mettez là, vous avez l'XP et là guerrier Z comme on dit, communauté, vous savez très bien c'est pour la puissance. Moi ce que je vous conseille c'est quand même de placer tous les personnages que vous avez et après quand vous les avez tous, quand vous avez fini l'histoire principale, je ferai une vidéo dédiée à ce sujet. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin et bon jeu à vous.